Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo en PVP 4 vs 4 les amis, avec une team toxique, étonnant bien évidemment. De toute façon en ce moment les gars il n'y a que ça dans la méta et malheureusement vu que j'ai aucune vidéo à proposer, bah il n'y a que ce style de team à proposer en vidéo quoi, hein. Donc ouais, même si j'ai pas réellement envie de jouer ce genre de team, mais tu verras que bah, comme d'habitude c'est concert, on le sait tous que c'est overbroken, incroyable. Sinon avant de continuer cette vidéo les amis, demain, donc le 25 janvier, sur la chaîne YouTube, je ferai un live, donc à midi, voilà pour le live Ragnarok, voilà donc je pense que ce soir je ferai pas de vidéo pour parler de ça, donc j'en parle dans cette vidéo les amis, ouais donc live demain, donc le 25 janvier, mercredi 25 janvier 2023 à midi sur la chaîne YouTube, pour les informations de la nouvelle bête démoniaque, le live Ragnarok, etc, vous connaissez les bails. Voilà donc tranquille, hein. J'espère qu'on sera beaucoup demain pour rigoler etc, parce que je pense que ça sera marrant, parce que les développeurs ils vont jouer, enfin les développeurs, les mecs qui présentent en tout cas, c'est pas spécialement des développeurs, hein. Les mecs qui présentent, on va voir comment ils jouent, ça va être marrant les gars je pense, donc ouais, ouais ouais, on verra ça demain. Ok, du coup les amis on est parti avec la team, c'est une team donc Bouffe Evoid, une team bien évidemment, tu peux perdre, hein, ça va de soi les gars, vous n'êtes pas non plus invincible avec ce genre de team. Mais il y a beaucoup de match-up où bah, t'as de fortes chances de gagner en fait. Tu vois. Ok, bon, la team la plus classique. C'est quoi? C'est un bot ou un vrai joueur? Bot, vrai joueur, bot, vrai joueur. On verra de toute façon. On verra, on verra. Donc la team démon, chandler, blablabla. Bla, bla, on connaît les bails, les amis. L'une des meilleures teams du jeu. Hein. Je pense que c'est un bot. Hein. Parce que le bot, généralement, il joue toujours Zell deux fois. Ou pas, en fait. Ok. Non, c'est pas un... Si c'est un bot, normalement, ça... Voilà. Oh. Oh, les dégâts que je prends, mon reveton. Ah ouais, c'est... C'est incroyable, comme on dit dans le milieu. Hein. Ok, non, c'est un bot, d'accord. Ouais, bon, c'était prévisible. Ouais, les dégâts que je prends. Non, mais ça, tu vois qu'en vrai, la team démon... Waouh, tu vois. C'est Nam quoi. Donc on va jouer comme ça. Hein. Let's go. Hein. Donc j'ai shield à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je tapais sous shield, bah, je perdais mon buff. Parce qu'il y a le commandement des Starosa, les amis. Ok, on a de la chance en vrai. Ok, il traverse. Bon, c'est pas grave. Ok. Oula noy. Bah alors en fait le problème c'est pareil, je suis obligé de taper en fait. Mais bon je vais prendre cher à cause des renvois quoi. Et encore. Vu que je fais pas trop de dégâts ça va. Ouais voilà ouais ça va. Hop on rebloque tout le monde les amis. Bim. Tac. Ah là là là. Oh comment c'est toxique. Ah c'est hallucinant. Hein. Putain il m'a encore bloqué le ref, putain mais c'est grave ça aussi hein. Genre vraiment les gars c'est aberrant en limite hein. Frérot dose en fait, bon je suis obligé de taper en fait, ça le problème c'est que je suis obligé de taper là. Donc ouais c'est très très chiant honnêtement. Et je pense qu'on va rank up on va déjà rank up Mélodas en vrai hein. Soit après il va taper, il va se mettre bien le bougre hein. Écoute on est obligé de taper hein. Malheureusement, il n'y aura pas le malus hein, qui réduit les stats liés au PV de 30%. Mais écoutez, les gars, on est obligé de bloquer l'adversaire. Hein, c'est le but de ma team, en tout cas. Après, ça va, on prend pas non plus 1 milliard de dégâts, tu vois. C'est pas non plus abusé, quoi. C'est quoi, blocage de chandeleur? Ah, ça va aller sur... Ah non, ok, nice. Ok, intéressant. Pas mal, tout ça, pas mal, pas mal. Donc là, en fait, le truc, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est pas fait taper le Gozer, donc forcément, on a 3 stacks de 10% d'attaque. Et après, on met la AOE et le combat est plié, limite, en vrai, les gars. Hein, genre, le truc, c'est qu'une AOE level 3 de Melio, pardonne pas. Hein. Voilà. Voilà, après, malheureusement, on a fight un bot, tu vois, donc en vrai, c'était... Je pense qu'en vrai, si c'était un vrai joueur, on aurait peut-être lose. Parce que vraiment, en fait, Chandler comparé à
Je sais pas, il y a quoi d'habitude, ouais, Chandler vert sur le terrain. Ou même Cusack, hein. D'ailleurs, Cusack, ouais, c'est très bon parce qu'en fait, t'as un malus. Hein. Donc forcément, Merlin sert à rien. Donc en fait, le mec peut te taper chaque tour. Hein. En tout cas, Merlin sert à rien entre grosses guillemets, hein, bien évidemment. Vu que 3 quarts des skills, c'est des skills attaque. Oh! Ça, par contre, les gars, c'est intéressant, honnêtement. Ok. Une team toxique, c'est un bot aussi, donc en vrai... Mais je pense qu'on aurait win, en vrai. Donc là, je focus le gozer. Hein. Putain, j'arrive pas à cliquer aujourd'hui, wesh, les gars, j'ai un problème. Quoi. Je te jure, c'est grave. Ah là là là. Incroyable, hein, vraiment. Incredible, les amis. Hein. Incredible, les enfants. Hein. Ok. Bah là, en vrai, on peut one-shot tout le monde. Hein. Parce que là, en vrai, ça peut taper deux fois... Je sais pas, attends, si ça doit... Ah ouais, non, on a l'item EV, j'avais oublié... Non... Tu sais que vraiment, j'avais oublié l'item Evoid. C'est grave. Toujours, j'avais oublié l'item Evoid. Zéro van, hein. Après tout, c'est que là, on fight un bot, donc en vrai... Bah là, je vais rank up Gozer. Melo, pardon. Là, je fight un bot, donc forcément, les gars... Je vais prendre un blocage encore, mais on s'en fout, tu vois. Je prends un petit blocage level 2. Bam. Ok. Bah, c'est qu'en vrai, c'est trop, en fait. C'est tellement toxique. Mais c'est débile, en fait. Après, on va jarter la... En vrai, je peux ult rush si je veux, Melio, mais flemme, hein. Ouais, tu sais quoi, juste faire ça, mon ref. On va pas bouger ça, de toute façon, on s'en fout. Je fais trop le maître technique alors que c'est une team toxique. Ok, il peut taper une fois. En rank up. Ok, non, petit soin. D'accord, d'accord. Yolle, yolle. Donc là, on va mettre un malus sur elle, je pense. On va faire ça, ça et là-haut, du coup. Je vais mettre un malus pour Echidna en fait. Pour avoir le 40% du passif. Et là on va jouer comme un débilos, hein, les gars. Déjà regarde, on a mis aucun crit ici. 128 000 quand même. Boum. Oh. Ok, ça va. Frérot, crit un peu quand même. Crit un peu, mon refton. Hein. Waouh, en fait c'est. En fait, ce qui est toxique dans la team, c'est que déjà t'as le revive daily, forcément c'est très fort. Mais t'as un shield et des stuns. Genre vraiment les gars, les stuns c'est un peu trop, tu vois, je trouve les stuns c'est... On se rappelle à l'époque Elisabeth, hein. On s'en rappelle très bien les amis. Non mais c'est marrant, ouais. Ce genre de team franchement les gars ça me fume, hein. Parce que même, admettons, encore une fois, si je fightais un vrai joueur, bah, le mec pourrait rien faire en fait. Donc là sa team elle était un peu bizarre au mec honnêtement. J'aimerais bien fight une team avec Escanor Ultimate. Hein. Parce que ouais c'est bien beau, on fight... On fight les teams démons, etc. Mais frérot, Escanor Ultimate, j'ai l'impression que je vois même plus en 4v4, quoi. Enfin, en même temps, c'est compliqué de jouer Ultimate dans cette méta. C'est que, en fait, en tout cas, en 4v4, en 3v3 aussi, en vrai, généralement, je suis en sub, tu vois, donc je peux le jouer. Mais en 4vs4, en fait, actuellement, c'est mieux les teams démons ou les teams... Oh, la meilleure team démon pour nous. Ça, vraiment, les gars, c'est la meilleure team démon. C'est incroyable pour nous. Ouais, vraiment, c'est la team à fight pour nous. Parce que là, il y a uniquement un malus, le mec. Et c'est notre ami Zell. Voilà, donc le mec pourra pas jouer de toute la game. Tu verras, hein. Je sais pas si c'est un bot ou un vrai joueur, mais de toute façon, même si... En plus, ouais, il gâche ça. Même si on fightait un vrai joueur, le mec... Oh! C'est un vrai joueur, ça. C'est rare de voir des joueurs jouer comme ça, hein. Pas des bots, pardon. Ouais, il va quitter, là, hein. Bah, de toute façon, il sait très bien qu'il peut rien faire, le bougre. En plus, le truc, c'est qu'on peut enlever son Tarmelding. Ferrer, il est dessus ou pas? Ouais, c'est un vrai joueur, nice, c'est intéressant. Pas de Tarmelding. Ce qu'il faut savoir, c'est que le malus de Merlin se met après l'animation, donc le cleanse de notre ami Miliodas. Voilà. Je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo. Donc là, on déroule notre jeu, les gars. Voilà, boum. Voilà, bon, le mec ne pourra pas jouer de toute la game, voilà. Alors, en plus, ce qui est broken avec Melo, je le redis, les gars,
c'est que vraiment tu peux rien faire en fait. Parce que tu perds des jauges si tu ne joues pas. Et ça, vraiment, les gars, je le redis, mais c'est aberrant. Genre, vraiment, c'est aberrant. Je le redis, hein, mais c'est n'importe. Et là, en vrai, je vais bouger ça, en vrai, je pense. Hein. Sur cette carte, honnêtement, les gars, on s'en fout un peu de stun ici. J'ai redrop deux cartes de Merlin, quoi, c'est grave. C'est très rare en vrai, hein. De drop carte de Merlin. Comme de la chatte, hein. De la chance, pardon. Ça bug. Ok, bon là il va mettre l'anti-soin, mais honnêtement les gars on s'en fout. En vrai, on va faire le mec toxique, parce qu'on aime bien ça, les amis. On va faire ça. Quoi me taper ici en vrai, hein. Et là je vais mettre là-haut, hein. Voilà, hein. Donc ça le mec pourra jamais jouer. Hop, on réduit les stats liées au PV. 2,30%. Jusqu'à la fin, les gars. Hein. Ah, il doit rager en vrai le mec. Hein. Vraiment, il peut rien faire, tu vois. Ce genre de team, tu peux juste rien faire, hein. Regarde. Hein. Le mec peut rien faire. En plus, son Tarmelink, du coup, maintenant, il régène presque rien, entre guillemets. Donc ouais, c'est un peu aberrant quand même. Ouais, le mec ne peut pas jouer. Regarde. Depuis tout à l'heure, le mec a fait quoi? Il a mis une infection. D'accord. Ok mec, t'as mis une infection. Bah t'es trop fort en fait. Genre vraiment c'est... C'est grave hein. C'est grave ce jeu quand même. Hein. Ah le mec a envie de casser son écran je pense. Hein. Ah bah... Genre vraiment, vraiment tu peux rien faire en fait. Littéralement tu peux rien faire. Je suis désolé hein mais... Le mec ne peut pas jouer, le mec peut rien faire. Genre littéralement, le mec... Je te dis, hein, tu fight Merlin Summer, mais le pur gars Gozer, et si tu joues la team avec Chandler Vert, quitte. Ça va plus vite parce que tu pourras jamais jouer, en fait. Même si tu tues Merlin, ben reste Gozer. Et Gozer, généralement, le mec a beaucoup de chance. Hein. Oh. D'accord. Bon, ça, c'est un gros counter pour moi. Honnêtement, bah le Limul en fait il counter un peu ma team entre guillemets. Je sais pas si c'est un bot ou un vrai joueur. Par contre, le Ludo qui ne half-CP pas mon Melio. Mais je crois que c'est un bot hein, parce que généralement si tu joues Ludo t'as une item CP quoi. Ça va de soi. Ah je pense que c'est un bot hein, honnêtement les gars. Ouais c'est un bot. Là en fait le truc qui est chiant c'est que... Ouais c'est un bot. Hein. Je vais jarter cette carte parce qu'elle sert vraiment à rien. Je peux pas shield parce qu'il y a l'imule. J'ai pas envie de lui donner des stats rapidement. Tarmelink il est où? On va faire gaffe quand même. Ok, il est pas là. Donc c'est un bot les amis. Voilà. Donc là dans sa team il a uniquement un skill d'infection. Donc un skill malus. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Ouais c'est chaud hein, quand même, le mec ne peut... Mais le mec peut rien faire encore une fois les gars. Hein. Le mec peut rien faire, hein. C'est quand même alarmant de dire que le mec ne peut pas jouer en fait. C'est marrant. En vrai de vrai... Jeter ça en vrai. Ah désolé frérot, hein, vraiment. Excuse-moi. Hein. Intéressant. Très intéressant ce qui se passe actuellement. Est-ce que lui on peut le one shot? En vrai, le truc qui est un peu chiant avec notre ami Limul, c'est que le personnage n'a pas de raise de dev crit et que ça. Donc en vrai, normalement, je dis bien normalement, on est censé le one shot, tu vois. Et bien évidemment, c'est un normalement. Hein, donc si on le tue pas, les gants vont peut perdre. Hein. Voilà, bon, bref. Des bas, hein. Et des grosses larmes, hein, vraiment. Des larmichettes, carrément. C'est chaud, hein, vraiment, c'est chaud. Je sais pas, normalement, s'il casse. Non, il casse pas, ouais, prévisible. Donc là, je prends quoi? Une AO level 2. Donc là, il n'y a pas d'effet. Donc vraiment, les effets,
Enfin, les dégâts, pardon. C'est pas ouf. Hein. Donc là, il n'y a plus le boost d'attaque. C'est un bot. Hein. En vrai, si c'était un vrai joueur, je pense qu'il aurait pu me tuer, en vrai, le Gozer hein, et Laylee. Je pense qu'en vrai, ouais, il aurait pu. Ouais, il aurait pu, en vrai. Hein. Ok, on va jouer comme ça. Non, mais vraiment, le mec ne peut pas jouer. Non, mais c'est grave, on fait. Genre, vraiment, tu peux... Tu peux rien faire, mais c'est abusé, comment tu peux rien faire. C'est grave, hein. Genre vraiment, le mec ne peut pas jouer, en fait. Je veux qu'il fasse quoi, genre vraiment, je veux qu'il fasse quoi, le mec. Bah, c'est quand même abusé, hein. Je vous dis, les gars, ce genre de team, ouais, faut arrêter, hein. En fait, la game, elle dure 10 ans, mais en fait, tu contrôles tellement le terrain que le mec, il regarde le combat, littéralement, le mec, c'est un spectateur de son combat, genre. Alors que de base, c'est lui qui est censé jouer, quoi. C'est grave, hein. Ah, voilà. Ce qui manquait dans ma main, bien évidemment. Oula, ok. Intéressant, intéressant. Vraiment, le passif de Milo, quand même, c'est une aberration. Hein. Quand tu te poses 2 minutes, tu te dis, ouais, en vrai, c'est un peu abusé, quand même, hein. En vrai, là, on va garder les skills. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on est tellement bien. Tu vois. Vas-y, je vais faire ça, en vrai, hein. Vider la main, hein. Ouzef, hein. Ouais, c'est grave, hein. Le mec ne peut pas jouer, tu one-shot tout le monde. T'as même pas le buff, tu one-shot le mec, enfin frérot. C'est grave, en fait. Genre, vraiment, les gars, c'est limite, c'est alarmant, genre. Je te jure, hein, limite, c'est, je trouve ça abusé, quoi. C'est grave, hein. En vrai, là, est-ce qu'avec une AO level 2, on tue, avec Melio? Ouais, bon, bref, le perso est totalement abusé, hein. Faut dire ce qu'il y a, les gars, hein. Le perso est juste totalement abusé, hein. Genre, vraiment, Melio, c'est grave, hein. C'est grave, hein. Donc là, en vrai, il peut one-shot, c'est quoi? Il va taper Gozer dans le monde, non? Ah non, Merlin Summer, en vrai, elle peut mourir. Ça, y a pas trop crit, en vrai. Je m'attendais quand même à un peu plus de crit. Hein. Ok, intéressant, intéressant. Donc là, en vrai, je mets tous mes skis, de toute façon, on s'en fout, les gars. On tue notre ami Escanor. Donc ouais, bon, bah la team, sans surprise, les gars. Hein. Une team over-toxique, broken, tout ce que tu veux. Donc ouais, les gars, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Des bisous.